On entre donc dans le deuxième volet de se lire au-delà des lignes, c'est-à-dire d'aller se placer dans les implications, les enjeux et la portée en fait du texte de Rabelais, celle qui est incluse dans le texte, c'est-à-dire celle qui est induite par l'acte même d'entrée dans le récit. Alors, on va se servir pour ça du prologue de Gargantua, prologue de Prologos, les quelques pages qui précèdent en fait le roman, la fiction de la geste des géants. Vous trouvez ça aux pages 13 et 14 du Folio Plus. Je vous invite éventuellement à avoir le bouquin sous les yeux, comme ça vous pouvez l'annoter au fur et à mesure des commentaires et des analyses que je vais vous proposer. Alors évidemment, au début, ça peut paraître un petit peu massif, un peu insurmontable, opaque, difficile. La langue paraît vieillie, la syntaxe, la ponctuation, tout ça résiste dans un premier temps. Et peu à peu, vous allez voir que, en s'approchant du texte, les choses vont se déplier. Et dans quelques temps, vous serez dans Gargantua et dans Rabelais aussi à l'aise que chez vous. Alors, voilà le texte. Donc, début du prologue, page 13, et ça se poursuit sur la page 14. J'ai coupé un tout petit bout au moment du crochet. Vous ferez juste le saut, c'est pas bien loin après. Voilà le texte. Buveur très illustre, et vous, vérolé très précieux, car à vous, non aux autres, sont dédiés mes écrits. Alcibiade, au dialogue de Platon intitulé « Le banquet », louant son précepteur Socrate, sans controverse prince des philosophes. Entre autres paroles, le dit être semblable aux Silènes. Les Silènes étaient jadis petites boîtes, telles que voyant de présent aux boutiques des apothicaires, peintes dessus, des figures joyeuses et frivoles, harpies, satyres, oiseaux bridés, lièvres cornus, cannes battées, boucs volants, cerfs limoniers, et autres figures contrefaites à plaisir pour inciter les gens à rire. Quel fut Silène, maître du bon Bacchus, mais au-dedans l'on réservait les fines drogues, comme le beaune, ambre gris, amom, civette, pierrerie, et autres choses précieuses. Tel disait être Socrate, parce que le voyant au dehors et l'estimant par l'extérieur apparence, n'en eussiez donné un copeau d'oignon, mais ouvrant cette boîte, eussiez-vous trouvé au-dedans une céleste et appréciable drogue, entendement plus que humain, vertu merveilleuse, courage invincible, sobresse non pareille, contentement certain, assurance parfaite, un déprisement incroyable de tout ce pour quoi les humains veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent. Voilà le début de ce prologue. Alors comme on le disait, hein, ça peut sembler un petit peu opaque, ça résiste, on se dit « oh là là !» syntaxe terrible, ponctuation que je ne comprends pas, c'est farci de références grecques et d'intertextualité dont je n'ai pas les références. On va voir, on va s'accrocher par petits bouts et vous allez voir, ça va se déplier très gentiment et à la fin c'est limpide, n'en doutez pas. Alors on commence par une première partie, je vous ai passé en gras les mots sur lesquels je vais m'appuyer pour conduire l'analyse et comme je vous le demande habituellement, on va essayer de replacer juste un tout petit peu à quoi on a affaire. Donc là, on découvre qu'en fait ce texte, c'est l'adresse. C'est-à-dire, voilà à qui je parle, moi Rabelais, auteur, voilà à qui j'envoie ce texte et pendant à qui je ne l'envoie pas, n'est-ce pas? Alors voilà à qui il est adressé. Buveur très illustre et vous, Véroné très précieux. Mais alors, on se dit, attends, buveur, ça veut dire qu'en fait il adresse son texte aux ivrognes et la vérole, c'est cette maladie qui marque la peau, aux malades. D'un côté les ivrognes, d'autre côté aux malades, et ça s'opposerait à d'autres. Oui, assurément. Mais le buveur, il ne fait pas simplement que de se saouler. L'ivresse, et vous allez voir tout à l'heure citer Bacchus, et Bacchus c'est Dionysos, donc il y a toutes sortes d'enjeux. L'ivresse, c'est aussi elle qui vous ouvre à d'autres modes de perception. C'est qui vous libère. À un moment donné, le vin, ça lève les inhibitions. Ça rend joyeux et ça permet peut-être d'envisager le monde autrement, à un moment donné. Et de l'autre côté, les vérolés, qui sont bien sûr les malades, mais également ceux dont il y a la marque de la maladie sur eux. Ça creuse la peau, la vérole. Ça se voit, ça enlaidit véritablement. Donc, ce n'est pas simplement d'être malade, c'est aussi de porter sur soi les stigmates qui nous distinguent et qui nous mettent à l'écart. Donc, en fait, vous voyez que derrière le côté joueur, de dire « Bon, écoutez, moi, je ne m'adresse pas aux sages, aux gens extrêmement éminents, je m'adresse aux pochards et aux malades. » Ouais.
Sauf que les malades, c'est pas n'importe lesquels, et les buveurs non plus. Vous remarquerez qu'ils sont traités, les buveurs, de très illustres. Illustres, c'est une noblesse, hein. L'illustre, c'est des gens respectables et précieux. J'ai pas besoin de vous faire le commentaire, vous avez bien compris. Donc voilà Rabelais qui adresse son texte à des gens capables de percevoir autrement et à ceux qui sont poussés un peu dans les marges. C'est là que se passent les enjeux. Naturellement, tout ça apparaît en deuxième couche, derrière la provocation un petit peu gaillarde de dire « moi, je parle aux ivrognes et aux malades ». Voilà. La parenthèse, non aux autres, c'est-à-dire non aux lettrés, non aux gens de l'académie, non aux gens respectables et sages qui trustent toutes les situations de pouvoir. Pas ceux-là, mais à ceux qui ont un savoir neuf, enivré, et à ceux que la société a mis de côté parce que sans doute ils avaient des vérités qui faisaient mal à dire. Alors ensuite, on entre dans quelque chose que la Renaissance adore, naturellement, ça vous le savez, c'est cette référence aux Grecs via un texte étonnant par contre ici, le Banquet de Platon. Alors le Banquet de Platon, il faut voir que c'est un texte, un dialogue qui réunit des personnages, dont Alcibiade, Agathon, Socrate et d'autres, et ils sont réunis là, ils mangent, ils boivent, pour faire l'éloge d'Eros. Eros, dieu quand même de la jouissance, du plaisir, etc. D'accord? Et Alcibiade est un jeune homme extrêmement beau qui répond à tous les critères de la beauté masculine grecque. Donc Alcibiade est un garçon. Et cet Alcibiade est amoureux du philosophe Socrate. Socrate qui, lui, met sous son charme tous les gens qui sont là, ce qui rend Alcibiade complètement dingue parce qu'il revendique une forme d'exclusivité. Et Socrate, on sorcelle littéralement son audience par sa parole, c'est quelqu'un qui parle extrêmement bien. Et beaucoup de ses interlocuteurs disent qu'en fait, quand il prend la parole, il y a une espèce de phénomène de sidération et on est comme aspiré par ce que dit Socrate. Et là, Alcibiade, qui a bien sûr ce côté amoureux de Socrate, dit par ailleurs de ce maître qu'il est semblable aux Silènes. Alors les Silènes sont des créatures mythologiques un peu monstrueuses qui avec comme caractéristique, outre d'être dans la suite de Dionysos, on verra encore ça, d'être particulièrement laid. C'est étonnant. Donc Socrate est à la fois extrêmement sage et séduisant par sa parole, son savoir et toute la profondeur dont il fait preuve, et en même temps, extérieurement, il déroge à tous les critères de beauté grecque, c'est-à-dire qu'il est immonde, quoi. Voilà. Alors on en est là, d'accord? On a adressé ça aux gens qui peuvent comprendre, parce qu'ils sont un peu sous, et aux gens qui ont été mis de côté. Et on prend un exemple grec, grande inspiration de la Renaissance, pour qualifier Socrate à la fois extrêmement sage à l'intérieur et extrêmement laid à l'extérieur. Et là, on est un peu surpris, parce qu'on dit, attends, voilà qu'il nous définit les Silènes, mais ça n'a rien à voir avec des créatures mythologiques. Il nous dit les Silènes étaient jadis de petites boîtes. Eh bien oui, il y a une polysémie sur Silène parce que les Silènes étaient effectivement de petites boîtes qui, quand vous les regardiez, elles s'ouvraient en deux. Quand vous les regardiez du dehors, on avait une décoration avec des figures assez monstrueuses, et quand vous les ouvriez, vous avez une figure d'un dieu à l'intérieur, ce qui est assez joli. Et c'est exactement ce message-là. Ne vous confinez pas à regarder du dehors. Et vous remarquez que dans ces petites boîtes, elles étaient stockées, on les trouvait dans les boutiques des apothicaires, c'est-à-dire chez les pharmaciens. Elles contenaient de la médecine, quelque chose qui vous guérit et qui vous soigne, d'accord? Et elles étaient décorées de figures joyeuses et frivoles. C'est ça l'état d'esprit avec lequel il faut entrer chez Rabelais. Il faut être joyeux et frivole. Faut boire, faut s'amuser, faut rigoler, d'accord? Et ces petites figures frivoles, eh bien là, on a droit à ce que Rabelais adore, c'est-à-dire une liste. Alors les harpies, vous savez tout ce que c'est, créatures mythologiques hybrides, les satyres aussi. Et alors après, ça s'enfonce dans des créatures tout à fait étonnantes. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été émises sur ce que sont des oisons bridés. Alors un oison, c'est une jeune oie. Bridé, est-ce que ça veut dire qu'il est tenu par une bride? Certains disent ça. D'autres chercheurs disent, en fait, les oisons bridés, c'est une métaphore pour dire les gens qui n'ont encore rien vu, les gens qui sont frais, qui sont un peu naïfs, ok. Lièvre cornu, etc. Les cannes bâtées. Alors le ba, ba circonflexe t, c'est le grand sac
qu'on met autour de la tête des chevaux pour qu'ils mangent de l'avoine. Donc là, ça aurait été appliqué à des canards, à les savoir. Les boucs volants, c'est peut-être une référence à des éléments de sorcellerie ou à des éléments de personnages malfaisants. Quant aux cerfs limoniers, alors les limons, ce sont les deux barres en fait qui permettent de tirer un char, et on aurait placé des cerfs en lieu et place des chevaux. On raconte d'ailleurs que ce sont, par exemple, que le char du soleil qui permet la migration des âmes chez Platon aurait été tiré par des cerfs, etc. Comme si ces animaux sauvages, nobles, se seraient mis au service de la mythologie. On remarque d'ailleurs qu'une partie de ces animaux volants, les boucs et les cerfs, sont dits aptères, c'est-à-dire que ce sont des créatures qui n'ont pas d'ailes et qui volent par leur propre force. Bon. Et autre figure contrefaite. Contrefaite, ça veut dire rendue rigolote, c'est-à-dire des créatures monstrueuses, imaginaires, et qui sont là pour inciter à rire. Le rire pour Rabelais, c'est le propre de l'homme. Par conséquent, on reprend là-dedans. Alors voilà, nos sirènes, il y a des petites boîtes, c'est pas joli dehors, il y a des figures un peu effrayantes, et quand vous les ouvrez, dedans, il y a une médecine, il y a un dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire. Comme tout à l'heure, Socrate était laid, comme un silène, et à l'intérieur, il y a toute la sagesse du philosophe. Alors, si on passe à la troisième partie, voilà. Quelle fut Silène? Il faut comprendre, en fait, telle fut Silène, c'est ça qu'on dirait aujourd'hui. Maître du bon Bacchus, en effet, Bacchus, plutôt Dionysos, hein, a eu comme maître un Silène à un moment donné. Alors, Dionysos, c'est pas anodin de faire cette référence-là. On en fait habituellement le Bacchus, dieu du vin, de l'ivresse, etc. Certes, mais Bacchus, c'est beaucoup plus que ça. Sous sa forme Dionysos, c'est-à-dire grec, c'est un dieu étranger qui débarque dans Athènes, qui saisit les femmes, qui les fait plonger dans la transe, dans la mania, et qui vient réclamer son dû, c'est-à-dire qu'on lui rende aussi hommage comme aux autres dieux, et quand on ne le fait pas, bah, il tue des gens. Donc c'est relativement redoutable, et c'est le dieu marginal, c'est le dieu qui vient, et c'est un dieu du théâtre, c'est un dieu du jeu, c'est un dieu de l'amusement, d'accord? Voilà, et même chose, hein, mais au-dedans, on réservait les fines drogues. Alors, drogue, attention, c'est pas du cannabis, de l'héroïne, et toutes ces sortes de choses. Drogue, c'est au sens où les Anglais l'ont gardé, drug, c'est-à-dire un médicament, hein, une médecine. Le baume, l'ambre gris, l'amome, amome comme cardamome, d'accord? La civette, etc. Tout ça sont des substances qui sont odorantes, parfumées, nobles et qui sont supposées éventuellement avoir des vertus thérapeutiques et autres choses précieuses, d'accord? C'est ce qu'on disait de Socrate, parce que quand vous le voyez depuis l'extérieur, voilà ce qui est dit, eh bien, vous n'auriez rien misé sur lui, vous lui n'eussiez pas donné un copeau d'oignon, nous on dirait une épluchure d'oignon. Ce qui est joli dans la métaphore de l'oignon, c'est que l'oignon, ça se pèle, vous voyez, et vous retirez les peaux, et à l'intérieur, vous avez ce qui est bon. Donc là, c'est un peu la même incitation, c'est-à-dire retirez l'enveloppe qui ne vous paraît pas très attractive, et allez voir la substantifique moelle, vous voyez, la moelle, c'est ce qui est à l'intérieur de l'os, ça, c'est l'expression rabelaisienne. Donc voilà, donc vu du dehors, on ne mise pas dessus, mais vu du dedans, là j'ai coupé, vous sautez quelques lignes, mais ouvrons cette boîte. Eussiez-vous au-dedans trouvé une céleste et inappréciable drogue? À l'intérieur, vous trouvez quelque chose d'extraordinaire, inappréciable et céleste. Céleste, c'est quand même le truc qui vient des dieux. Hein, voilà. Et je vous ai mis en gras ce qu'on trouve parce que vous allez pouvoir le relier aux qualités que l'on demande et que l'on développe à l'abbaye de Thélème. Entendement plus que humain. Entendement, il faut comprendre ça par la raison, l'aptitude à comprendre, hein. Plus que humain, c'est-à-dire quelque chose qui vous relie au divin, une vertu merveilleuse. Vertu, ce n'est pas le bon comportement vertueux, vertu, c'est un de virtus, le courage, donc des qualités de comportement éthique, chevaleresque, etc. Un courage invincible. Sobresse pour dire sobriété, c'est-à-dire ce sont des gens économes, on n'est pas dans l'orgie. Vous voyez, au début on dit « il faut boire ». Ouais, mais il ne faut jamais se défoncer, ce n'est pas ça l'idée. Le vin, c'est pour être joyeux, pas davantage. Contentement certain, le contentement, c'est la capacité d'être content avec ce qu'on a, de ne pas être tout le temps dévoré par le désir. L'assurance parfaite, en fait la force tranquille,
quelque chose de l'ordre de l'équanimité, de la paix intérieure, un déprisement incroyable. Aujourd'hui, on parlerait de détachement. Pour tout ce pourquoi les humains veillent, courent, travaillent, naviguent, bataillent. C'est-à-dire une espèce de retrait, de détachement de tout ce qui habituellement conduit les humains à faire plein de choses, à s'attacher aux choses, à batailler, à se mouvoir. D'accord ? Alors maintenant, regardez bien, on fait le bilan. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? Eh bien, ça se présente de l'extérieur comme quelque chose d'assez laid, un géant, des histoires grotesques, des comportements outranciers. Mais quand vous l'ouvrez, alors à l'intérieur, vous trouvez une inappréciable drogue, une substance divine, de l'entendement, vous voyez, de la vertu, du courage, de la sobriété, de l'assurance, du détachement. Bref, tout ce qui meut les humains, porté à son plus haut degré de perfection. C'est ça qu'on trouve à l'intérieur. Donc Rabelais est en train de nous dire, vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas simplement au grotesque de ce que je vous raconte. Ouvrez la boîte, regardez dedans et goûtez. Vous allez voir du pays.